La question à se poser ce matin, qui ça qui expliquait au retard ça? Qui ça qui expliquait que malgré tout ça qui dit, malgré tout ça qui fait jusqu'à présent, conseil électoral provisoire toujours est ton idéal ou bien toujours est ton rêve? Qui ça qui explique aujourd'hui, malgré processus là initié depuis plus passé 8 mois, il y a eu seul Ronald, nous passons pour 2 mois là, pour que même il y ait des choix définitifs qui fait autour de non représentants secteur, voire pour t'a parler de publication ensemble de monde qui a formé conseil électoral provisoire. À ce moment-là, il y a des monde qui est capable de dire, est-ce que nous pas en face là dont entité, dont organe depuis à la base guerrier processus là pour mettre le campé à les biaiser, est-ce que là nous pas en face d'un KEP Jean Mounio Remedi là qui morné guerrier qui doit fait et puis on va qui tuer dans l'œuf, il pas arrivé plus loin que villa d'accueil qui dans Missoua, ou bien ou retard tout qui ka gagné dans mettre campé dans mettre en place conseil électoral provisoire, est-ce que le pas ka gagné des incidences tout sur échéance 7 février 2026 t'en parler là, parce que n'a parlé de technique quand même. Nous autres, nous pas fait expérience, mais n'importe monde qui participe dans question fait élection en Haïti, l'abdou pour répéter au guerrier du seul, bon temps, ok, qui est parti, mais qui doit être parti guerrier du seul, dans garde et mise en branle machine. Donc plus qu'on y a là, calendrier pour bâtir. Plus qu'on y a là, n'a pris un temps pour mettre un conseil électoral provisoire et probablement que l'autre bagaille qui est plus sérieux qui doit venir après. Donc, cette question de référendum, il y a parlé, voilà, pour le changement de la constitution, etc. Après, pour regarder sous qui régime n'a fait élection yo, comment n'a fait élection yo, qui j'en décide, ou ben, ça prend moins longtemps. Donc plus n'a pas le temps qu'on y a là pour mettre le conseil électoral provisoire à la campagne, est-ce que ça pas vle dit tout, c'est plus n'a éloigné de possibilité pour ta gain un gouvernement légitime ou une équipe qui sortit dans l'élection qui prend pouvoir le 7 février 2026. Est-ce que nous pas éloigné de principal objectif transition, ça qui c'est non seulement rétablir sécurité dans le pays, mais tout organiser l'élection pour permettre que le 7 février minuit, ni CPTO, conseil président, ni Garigouni, pour y ramasser Bataclan ou pour y aller. Par contre, vous comprenez. Je vous avais expliqué là, il y a environ 2 mois là, le conseil présidentiel là, initié le processus pour mettre campé le conseil électoral provisoire. Maintenant, jusqu'à minute, n'a pas parlé là, toujours est-il, pour une raison bien pour l'autre, pas qu'il y a un KEP ou bien pour qu'il y a un KEP. Le 26 août, qui s'est passé là, conseiller présidentiel a été bail un deadline à différents secteurs pour entendre sous non définitivement, sous non, si nous capable de dire, définitif représentant yon dans KEP. Et jusqu'à présent, il y a deux seuls, majorité secteur yon, pas un non définitif. Sinon, yon chaque au moins deux. Deux. KEP a te dit, pas KEP, CPT a te dit le 28 que secteur Antonio, que secteur par Antonio, il a publié l'ismoun qui a fait partie du nouveau conseil électoral provisoire. Je veux dire, pratiquement 32 jours plus tard, nous ne savons pas si il aura avisé, nous ne savons pas si il a toujours publié, ou bien il y a l'autre bagaille qui décide dans le niveau CPT. Maintenant, pour que le gars comprenne, pourquoi ce retard? Pour qui ça? Jusqu'à présent, majorité secteur guerrier, yo gen du mal à choisir un seul monde qui pourra le représenter et secteur ya ou bien secteur en dans conseil électoral provisoire guerrier. Pour les secteurs, li clairement c'est division qui crée. L'on considère quantité monde qui a défilé là tout pendant toute semaine là dans différents secteurs qui viennent expliquer que yo même yo pas dans choix ça, mais choix pas yo a yo dénoncé tellement neuf qu'a fait pousser tellement qui allait pour secteur dans KEPA ou bien yo même yo pas dans telle élection yo contesté etc. Donc on vient comprendre division gain dans secteur déjà, on comprend capable expliquer retard qui gagne dans mettre conseil électoral provisoire. Mais de l'autre côté tout gain CPTA je dis à qui dormi par rapport à ce scandale de corruption et nous avons expliqué ça off mic. Moi même moi parle comment conseil présidentiel là pour être capable d'avancer sur un ensemble de dossiers importants, ça ne va pas résoudre le problème corruption ou bien scandale corruption ça qui impliquait 3 conseillers présidents. Donc qui entaché d'agadi crédibilité CBT. Exactement.
Nous, de côté, il y a cette question de division qui en dans le secteur. Côté, yon a gouma l'autre pour dire c'est yon même qui pour choisir ou bien c'est tel monde qui pour aller, tel monde pas qui doit aller. Mais de l'autre côté, tout, il y a le conseil présidentiel aujourd'hui, il y a tout qui est dans une situation difficile par rapport avec dossier 100 millions de goudza jusqu'à présent, lumière pour qu'on fait sous lit. Donc, par avant, deux bases à eux, résoudre, même si on parle pratiquement, vous avez dit là, résoudre la question de division qui est dans le secteur pour y entendre tout d'un seul nom. Et puis, deuxièmement, pour y nèg CPT, même y entendre dire, OK, mais ça va aller, mais qui décision qui prend, et puis pour permettre avancer. Donc, nous avons parti pour le troisième mois, conseil électoral provisoire, là, j'aimerais mettre des campagnes. Et c'est ça, oui, Johnny, qui est problème. Non? On a dit que si on division qui a gangrené secteur, CPT a dit qu'il doit arriver en côté. Comme il fait office d'autorité, il dit bon, la proposition formule, on choisit. Or, le fait que crédibilité CPT a entaché à travers trois conseillers qui sont impliqués, mais qui éclaboussent dans le scandale corruption, hein, ça vient créer justement. Yon handicap qui permettent que CPT1 sous Bopal li pas avancer. Et même si vous avez dit que secteur aujourd'hui en là yon ta entendu yon voye on nom au nom de qui crédibilité que CPT1 a pas publié le tout d'ailleurs. Donc ça veut dire que gon frein qui gagne là. Et bon, par contre moi le dis ça peut-être ça ka dérange et quelques monde nous toujours dans des nèg qui dans politique ici. Il y a toujours Abdou, pas qu'un sacrifice qui est trop grand. C'est un slogan. Ou la consommation de l'opinion. Fais-moi bien. Je t'en dis, Abdou, ça. Mais monsieur, si pays a bloqué là, d'une part, question corruption qui fait CPT, il n'y a pas qu'à avancer. Pour le secteur, on ne va pas rentrer là-dedans parce que, bon, il n'y a pas aux commandes. Mais s'il bloque là, moi, si c'est sacrifice, ça qu'a fait pour le débloquer. Est-ce que vous comprenez que sacrifice l'a fait? Bon, moi, ça me comprend. On a l'homme son bagaille. Tant l'heure, on t'a parlé de formule, mécanisme, au cas où secteur ou pas t'a entendu pour CPT aller même les avancer. Eh bien, il y a deux formules qui discutaient déjà dans les couloirs du CPT. Bah, on essaie de travailler sur une résolution pour ça, ou bien tout si on a un temps pour une résolution sur ça. Qui sa formule là? Première formule là. Si secteur a voué au moins deux noms, yo même en dans CPTA y a réuni sous base consensus ou bien vote tout y a choisi yon nan moun secteur a proposé yo on y a la six secteur pas voué du tout yo di a quitter le vide y a publié le quand même jusqu'à ce que secteur qui concerné à lui-même yo rive joindre meilleure formule pour voyer non. Mais quand il y a la plus grande handicap là, c'est sans autre expliquer là. Et moi, je te dis ça, je te dis tout à l'heure à tout. C'est cette question de scandale de corruption qui, je dis, a metté ces vétérans en situation difficile. Yeah. Même pour y réunir. Parce que, il y a une question mise à l'écart provisoire. Conseiller qui a parlé. Conseiller dit sous qui base, en parlant de conseiller qui est impliqué, pour y mettre à l'écart provisoirement, alors que, on enquête. Qui en cours, il dit est-ce que les OBTO à l'écart provisoirement, comment ça une décision importante, c'est peut-être à l'ouvrir pour la République, tirer ce n'est qui est pour qu'elle entende sous base que toi n'es pas là encore, ça a été plus facile pour yo avancer. Donc ça a été quand même mettre c'est peut-être dans une situation difficile, d'abord pour fonctionnement régulier, le voir où il y en a, pour le pencher sur une décision aussi importante. Que choix moun qui pour aller représenter secteur en dans conseil électoral provisoire. Par contre, ça veut dire même là où tu as des formules, même là où tu as des mécanismes, mais CPT a gagné par toute l'attitude parce que vous êtes inconfortable avec. Sous son corruption, ça. Oui, pas oublier tout que trois secteurs qui épinglés, c'est des secteurs qui gagnent de dirigeants politiques, c'est des partis politiques. Qui ont même gagné l'élection. Ouais, exactement. Ouais. Donc, pas gagné ou pas qui était fait d'aide là. Exactement. Bah, il y a un moto. Hein, bon moto. Il n'y a pas qui était rien fait d'aide. C'est important. Moi, bon, en dit, mon yo connaît. Petite Dessaline dans l'élection là. Oui. Représentant là, il y a indexé dans le dossier là.
nous certains aider dans l'élection. Les gens qui ont participé à l'élection. Comment on a trouvé les règles compromis dans l'élection? Pas de doute sur ça. Donc, paquet, même là, ce n'est pas accord 21 décembre. Oui, mais un paquet parti bloc, etc. Mais un paquet entité. Un paquet parti qui n'a pas accord 21 décembre qui va dans l'élection. On a ce qui est basé au bras, dit si un secteur voyait deux mondes, il voyait trois mondes, pour conseil là, à décider sous qui est-ce. T'as pour représenter le secteur définitivement dans le KIPA et puis pour le fait d'être trois représentants, partis à l'autre cité là. Yes. Automatiquement, on doit faire son complot pour mettre le KIPA contre toi. Mais pour monter le KIPA contre toi. Yeah. Et le légitimer. Ouais. Donc ouais. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même si on ne t'a pas mis à l'écart, même si on t'a mis à l'écart, mais le fait que le dossier a beaucoup clair, lumière beaucoup faite sur lui, les vignes mettent dans une situation difficile pour pas avancer tout. Ouais. Et du coup, mon paquet de bagages commence à hypothéquer en dedans conseil présidentiel là, dont cette question de présidence tournante. Au passage, hein. Oui, parce que 7 octobre. Octobre d'avril là, mandat Edgar Leblanc t'a supposé fini. Smith Augustin t'a supposé prendre fonction. Smith Augustin t'a supposé vraiment être là. Mais maintenant, au nom de la moralité et de l'éthique, est-ce que vous pensez Smith Augustin est capable de venir jouer le président pendant enquête sous question ça, pourquoi aboutit? Même Janto, est-ce que vous pensez le cas désister, guerrier du seul? Et puis, Baye Champ Libre, soit à Edgar, vous continuez, ou bien on l'autre conseiller, ou bien président, pendant les mêmes, la République, pourquoi qu'on aime de dire ça déjà, s'il se relève, s'il pas relève. Et c'est ça qui constitue le dilemme. Et le dilemme, ça, guerrier du seul, limiter ses pétards dans une situation difficile, pour le capable faire ça, le pour le faire, donc avancer ce processus électoral avec, bien sûr, la mise en place du conseil électoral provisoire. Donc, de ce fait, nous partons là pour n'importe. Oui, combien de temps? Alors, ça ne pas oublier que, et monsieur dans l'autorité, il y a de temps très limité devant vous pour que vous fassiez ça, que vous faites. Parce que c'est moins de 2 ans pour que vous pacifiez le pays, faire élection et remettre le pouvoir là à un gouvernement démocratiquement élu. Donc, c'est un gros challenge qui est campé là. Et, je me rappelle, le Premier ministre a fait avancer dans les médias internationaux, côté qu'il dit que il est fort impossible que l'échéance 7 février 2026 là, il est respecté. Malgré la fait effort pour ça. Malgré la fait effort. Maintenant, ajouter à la crise, je veux dire là, combien de temps la besoin encore? Eh bien, il doit aller vers l'autre transition. C'est dommage. Transition à n'a plus fini. Non. Marco nous dit, PM Gargo l'a dit, 7 février 2026, minuit. Les mêmes la pour la là, là, là. Yeah. Et dit on l'autre transition, c'est dit on l'autre conseil électoral. Pour vous oui. Parce que l'app difficile pour... Ouais, sortir. On l'autre perd du temps. Ça passe. Chaque groupe, il vient avec toutes tes... Bah, pareil, ça veut dire, sous pas fait, c'est pas yo que t'es gagné contrôle ou avant. Donc, l'app difficile pour continuer à avoir. Parce que ce n'est pas sans raison qui fait qu'une barre jamais gagne un conseil électoral permanent. On dit ça tout le temps là. C'est parce que chaque groupe qui venait, il dit c'est moi qui pour mettre ça. Parce que l'elle mettait, il pensait que le monde mettait, il y a une rélevance envers lui. Donc il va gagner contrôle, il va carré, il va dire mais ça pour le faire. Donc dans le cas ça, il fait que pas jamais gagne un conseil électoral permanent. Et toute l'autre structure base qui gagne dans la constitution qui te dit mais comment pour ça fait, il a refusé de mettre le campé. Ou bien Information fait quoi que sur 9 secteurs qui doivent gagner un représentant yo en dedans conseil électoral provisoire là gagner 3 secteurs sur 9 là qui yo même gagné un nom pour le représenter yo et jusqu'à présent pas gagné trop grande contestation pour ne pas dire pas gagné contestation du tout. Premier secteur c'est l'église catholique guerrier du seul. Je dis dès le départ, je vais t'entendre mieux, c'est son seul nom. Ouais. Deuxième secteur, c'est la presse et Corporation Panouan. Côté Jacques Desrosiers, tu as dû représenter dans le nouveau KIPA. Même le monsieur, dame, patron média, tu as sur son note pour dire qu'il n'y a pas impliqué dans le processus-là, mais il n'y a pas. Il n'y a pas rejeté le tout, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas le tout. Il n'y a pas contesté le tout, c'est une garde de l'onça. Oui, il n'y a pas contesté le tout. Même si tout le monde a l'autre organisation qui a peut-être frappé par en bas, mais publiquement, l'ampleur que l'autre secteur au bas est question de contestation et division, nous pas fait constat ça au niveau de la presse. Et puis, troisième secteur, c'est l'université. Donc, on était malentendu dans la correspondance qui a joint deux
entité qui doit coordonner eh bien choix représentant université a UEH te joindre correspondance corpuia qui c'est conférence recteur dirigeant université publique privée en dans pays a te joindre correspondance or les nal fouiller zone kalalo UEH en dedans corpuia donc ça a quand même déposé problème mais ça pas t'empêcher que UEH te fait choix pal et corpuia te fait choix pal mais à la fin de la journée avec un pile élégance corpuia qui reconnaît que UEH en dedans yo et à un certain moment UEH te dirigé corpuia donc il fait retrait à eux-mêmes et puis il permet que représentant que UEH là c'est passé c'est Marie Florence Mathieu exactement donc ça vient faire que jodi à là à moins que donné ou t'a changé après de fin parler à là c'est que trois secteurs qui ont seul nom comme représentant en dedans nouveau KIP qui en gestation c'est secteur ça on dit là c'est l'église catholique c'est la presse c'est l'université maintenant qu'en est-il de six autres secteurs guerrier du seul Ronald des hommes Dieu donné tête junior pas besoin de dire rien li visible mon cap tande yo mon cap suivi yo fait constat ça pendant toute semaine là ouais c'est moun dans différents secteurs cap intervenu cap défilé gien venir dans studio gien qui parler par téléphone cap dénoncer cap dire yo pas d'accord choix ça yo même mais qui choix ou d'accord yo et contester élection ça que t'es fait c'est élection par roi qui bon donc qui vient faire que on un véritable meli melo ou même cap suivre et puis sous prend recul ou poser question dit qu'est pour qui ça tout ça yo pour qui ça tout bris ça yo pour qui ça tout briganday ça yo pour qui ça tout parle en pile ça yo pour choisir un moun pour aller représenter un secteur en dedans une institution qui est aussi prestigieuse OK que le conseil électoral provisoire honnêtement Ronald des hommes guerrier du seul moi même personnellement pas penser que c'est après on va être facile que un secteur vivant tanli pour choisir un monde pour représenter en dedans et conseil électoral provisoire c'est évident dans pile différence il doit avoir divergence intérêt ou pas même etc. Même des deux bagages pour pas me dire que si nous disons faire exercice démocratique en dedans pays peut-être nous cadre micro nous faire dans niveau structure yo blanc parler de exercice démocratique c'est la loi de la majorité OK ça pas veut dire que tout le monde obligé d'accord sur un bagage mais si majorité a entendu yo donc les sa minorité a pas bien l'autre choix que soumettre maintenant la majorité guerrier du seul ou des hommes pas toujours guérison mais si nous disons faire exercice démocratique là nous d'accord depuis bah yo fait j'ai deux fait là si majorité a tranché n'a pas avancé mais deuxième élément son ba au saut dit là qui est important et m'a retourné sous lit on a des hommes c'est là on dit comme ça on entendait nèg qu'a fait politique ici qu'a parler pour dire aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays même les me dit c'est blague parce que les nèg yo dans chambre hôtel ou bien nèg yo dans salon bien on côté fermé c'est intérêt pas yo défendre yo pas souffert sacrifice là n'ta qu'a dit vu l'urgence de l'heure guerrier de seul vu nécessité gain aujourd'hui pour aller vite et bien nous penser que il y a deux monde, il y a des groupes en dans ces deux secteurs qui te doit dire en mettre intérêt mesquin yo, intérêt ticoulout yo sous côté, en prioriser intérêt pays a, intérêt national là et puis pour avancer. Et malheureusement, guerrier de seul, on a les hommes